retrouve pour un nouvel épisode des chroniques. Donc on retrouve la famille verte pour la suite de leurs aventures. Et donc on avait laissé dans l'épisode précédent Candy Bear avec un contrat de création d'icônes pour un jeu vidéo. Je pensais le continuer aujourd'hui, mais finalement je me suis dit que potentiellement ça nous prendrait peut-être un peu de temps et que c'était pas forcément le plus important puisqu'on avait le jour de l'amour aujourd'hui. Enfin, on avait le jour de l'amour qui arrivait. Du coup, j'ai terminé les icônes, j'ai fini par en refaire parce que celles qu'ils refusaient à chaque fois, ils en voulaient vraiment pas. Ils ont accepté les suivantes. Donc voilà, donc j'ai passé une petite journée avec elles. Et aujourd'hui, on a le jour de l'amour et je pense qu'on va inviter son... Je ne sais plus comment il s'appelle, Monsieur Firenze, Monsieur Friends, Monsieur je sais plus quoi. Monsieur, c'est pas toi. Monsieur Fires. En tout cas, on va éviter Dominique. Alors, si tu pouvais éviter d'aller embêter ta sœur. Donc toi, tu vas manger hop ça. Et toi, tu vas en profiter pour aller aux toilettes, prendre une douche. Et je pense que tu n'auras pas le temps de manger. Donc tu mangeras à l'école. Ce qui sera déjà pas mal. Donc Yuki commence dans une heure environ. Et Candy, elle va finir de manger. On va peut-être accepter un nouveau contrat et on va voir un petit peu si Monsieur Dominique nous appelle. Donc qu'est-ce qu'on a comme contrat ? Sauveteur d'un jeu vidéo qu'on ne peut pas faire, collectionneur d'art ouvert d'esprit, professeur de peinture remplaçant, frasque d'un marchand d'art. Pas de policier. Dessin d'audience, portrait robot, cours en nectar et peinture, battle de slam, affiche de tournée de groupe. J'ai envie de faire un truc qui paye un peu plus. J'hésite entre les deux. On va faire ça. Étudier les images de référence, créer une contrefaçon, faire approuver la contrefaçon. Ok, donc on va faire ça et on va... non, c'est pas ça. Dépendant, étudier les images de référence. On va attendre, je pense, que jusqu'à 10h, voir si monsieur Dominique nous appelle. Et sinon, c'est elle qui l'appellera. Parce que de toute façon, elle a le temps avant de finir son petit contrat. Je me demande comment le jeu gère le fait que on a un contrat en cours et qu'on va changer de... Qu'on va changer de sim, en fait. On change de famille. On joue dans une autre famille. Qu'est-ce qui se passe? Donc toi, de toute façon, tu vas à l'école. Donc tu mangeras et tu papoteras à l'école. Et tu t'en fiches apparemment du jour de l'amour, de toute façon. C'est parce qu'elle est solitaire. Ok, c'est bien ça. Donc elle va forcément passer une bonne journée. On va accélérer un petit peu le temps. Ok, donc tu as étudié les images de référence. Magnifique. Donc tu vas pouvoir, indépendant, faire ta contrefaçon. Je sais pas si ça va durer longtemps ou pas. Je suis pas sûr qu'il va l'approuver tout de suite, mais ça a pas l'air extraordinaire quand même. Donc après, éventuellement, elle ira se faire un petit relooking avant d'appeler Dominique. Voir s'ils peuvent pas aller prendre un café ou boire un verre quelque part. Parce que c'est la journée de l'amour quand même. Et on sent qu'il y a quelque chose entre eux. Bon, ça va, c'est pas trop trop moche qu'elle a fait. Mais... Je suis pas sûr que ça soit approuvé tout de suite. Oui, on va voir, ça ressemble à quoi? Ok. Fabriquer des cartes fleuries, jour de l'amour. En cours d'art plastique, les élèves de la classe de Yuki, ça, alors,
doivent créer des cartes sur le thème des fleurs. Après avoir assemblé des paillettes, des crayons de couleur, des pétales en papier cartonné et des cures, Pip, Yuki s'assoit et prend le temps de réfléchir car elle déborde d'inspiration. Les cartes seront partagées et ouvertes avec le reste de la classe pendant la fête. Il faut donc qu'elle soit réussie. J'ai envie qu'elle crée des cartes sincères. Parfois, ouvrir son cœur dans une série de cartes intimes distribuées à la classe entière n'est pas une bonne idée. Yuki vient d'en faire la meilleure expérience. Elle a opté pour une approche pleine de sensibilité, alors que tous les autres élèves avaient choisi l'humour. Et maintenant, elle est la risée de sa classe. Peut-être que dans une semaine, les imitations et réponses parodiques s'arrêteront. C'est pas très gentil, quand même. Donc, on va envoyer ça au client pour approbation. Ouh, et ça lui fait une mauvaise réputation. Ok. La contrefaçon de Candy était impeccable. Elle a soigné le moindre détail pouvant être examiné. Le client du marchand d'art l'a amené à un expert indépendant pour la faire évaluer. Et ce dernier l'a authentifié sans la moindre hésitation. Toute l'opération a été un incroyable succès. Le marchand d'art a versé à Candy une grosse prime. À moins que ça soit juste le prix de son silence. Et du coup, j'ai perdu un petit peu de réputation. Ok. C'est bien foutu parce que. C'est bien intégré quand même. Du coup, on va prévoir une tenue. On va voir si on peut pas lui faire une petite tenue spéciale pour le jour du printemps. Hop. Donc, on va faire ça. J'avais jamais entendu cette musique. Je sais pas si c'est Strangerville ou pas. On va voir si on peut pas lui trouver une coiffure. C'est dommage parce que c'est pas. Ça, voilà, on va lui mettre ça. Donc déjà les cheveux longs, donc on va peut-être lui laisser les cheveux longs. Voilà, magnifique. Bon, c'est pas grave, elle aura plus ses couleurs, mais bon. Si on trouve quelque chose. J'aime pas trop cette coiffure, je sais pas, je la trouve bizarre. Je la trouve pas naturelle. C'est pas censé être une version avec des couleurs? Ok. Ok. Donc cette couleur-là, elle a pas de couleur en fait. Pourquoi pas? Non, surtout pas. Non, non. Pas de. On va juste du coup peut-être lui trouver une petite tenue. Ou un truc qui soit. Elle a une taille très fine quand même. De voir si je trouve un truc qui pourrait être son style. Parce que de base, elle est comme ça. Donc. C'est quoi ça? Ok. Non, non, non. Pas vraiment. Elle a une taille super fine, ça fait peur un petit peu. Je pense, j'imagine que ça vient avec la nouvelle mise à jour parce que j'avais jamais vu ce truc. Si elle vient comme ça, ok. Mais elle a vraiment un corps bizarre en fait. Peut-être ça? Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui mettre un truc rose, mais. Parce que sinon, tout le reste, ça clash un petit peu avec ses cheveux, donc. Un petit ça.
Je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne. De rose. Peut-être ça. Pour l'instant, on va partir sur ça. Je suis revenu là, mais c'est de voir si je peux pas lui trouver une coiffure un petit peu sophistiquée. Bien sûr, je clique sur les trucs qui n'ont strictement rien à voir. J'aime bien cette coiffure. Truc pas totalement différent de ce qu'elle a d'habitude. Bizarre après, elle peut pas changer de coiffure comme ça. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre au poignet? Sympa ça. Je sais pas si c'est avec sa tenue, mais. Bon, ceci dit, on peut mettre ça. Un peu bizarre, mais. Ça reste en accord avec le reste, on va dire. Peut-être qu'elle peut mettre un chapeau, en fait. Voyons voir. Non, mais n'importe quoi. Bien sûr, un chapeau de paille. Hein. Fais gaffe qu'on avait ce chapeau, il est sympa quand même. Les chapeaux des fleurs. Le truc qui lui va pas du tout. Chapeau de pirate, oui, tout à fait. Je vais mettre ce chapeau-là. Ou celui-là. C'est dommage que les écouteurs, ils en aient pas fait un accessoire plutôt que de faire un chapeau. Pas lui mettre de chapeau du coup. Y a rien qui m'inspire. Hop, donc on va lui enlever le chapeau. Et puis on va dire que c'est bon parce qu'on va pas y passer 3 heures non plus. Et on va inviter notre ami Dominique à un petit rendez-vous pour la fête. Parce que là, à mon avis, c'est foutu, il nous appellera pas. La question est. Où est-ce qu'on va? Alors attends, déjà tu vas t'habiller. Tenue, changer de tenue. Hop. Et tu vas, en espérant qu'il soit pas au travail. Après, normalement, je sais pas s'il travaille ou pas. Propose un rencard. Voilà. Propose un rencard à Dominique. Je sais pas s'il va accepter ou pas. S'il accepte pas, bah, c'est un petit peu foutu. S'ils acceptent pas, au pire, ils iront quelque part, je ne sais pas où, mais. Mais a priori, il a accepté. Donc, où est-ce qu'ils peuvent aller? Tch, 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 tch.
Ils vont aller à Strangerville. Windunder, ils vont pas dire qu'ils vont pas ils vont y aller. Ils peuvent aller à Brindleton Bay et ils vont aller au bar au pot salé. Dit éventuellement si le mec il a une aventure avec une autre femme, il va pas aller forcément dans un café qui est dans la ville où il habite. Ça serait un petit peu idiot. En plus il pleut ici, magnifique. Donc ils vont aller s'asseoir. Après ce truc-là, c'est un peu bête parce qu'il n'y a pas de table. Avant que ça soit protégé. Non, pas vraiment, non. Donc tant pis, ils savaient pas. De toute façon, ils vont aller s'asseoir ici et ils vont aller papoter. C'est le jour de l'amour alors. Ce qui est dommage du coup, c'est que je vois pas le. Michael, discuter des techniques de DJ. Non mais vous pouvez vous asseoir pour faire ça. Parce que le but quand même c'est de remplir la petite barre là-bas. Bon, asseyez-vous là si vous voulez, asseyez-vous là-bas. J'avais même fait gaffe qu'il y avait un. Est-ce qu'on peut éteindre la télé? Merci. Parce que bon, la musique et la télé en même temps. Alors, tu vas pouvoir lui raconter une histoire. T'as pris la compétence chant, magnifique. Amour. Complimenter l'apparence. Amour. Demander si la personne est célibataire. On le sait qu'elle est pas célibataire, mais. Au moins, ça sera fait. Technique de drague. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Mais... Il est marié à Moira, mais. Ah mince. Amical, plus de choix. Non, attendez, et arrêtez de bouger dans tous les sens. Où est-ce qu'elle est la conversation profonde? Conversation profonde, voilà. N'est pas l'air embarrassé, monsieur. Le choix, amour, se rattraper. Plus de choix, amical. On va retourner avoir une conversation profonde. Ça n'a pas trop marché. Non, mais t'en vas pas, monsieur. Où tu vas? Qu'est-ce qu'il y a en haut? Ah, t'as peut-être envie d'aller aux toilettes? Bah écoute. Ah non, t'as envie toi aussi de te mettre. Ah, attends, plus de choix, amical. Non mais, déjà, un, tu vas pas discuter avec je sais pas qui, on s'en fiche d'elle. Ou de lui d'ailleurs. Hop, c'est toi, c'est lui. T'es en train de. D'avoir un rencard avec quelqu'un. Donc, il veut vraiment pas nous parler en fait. Est-ce qu'on peut aller discuter ailleurs qu'au bar s'il te plaît? Non, parce que bon. C'est un peu débile de rester là. Sinon, tu peux commander une boisson pour le groupe. Tiens, on va commander ça. Super, et lui il se casse pour aller discuter ailleurs. Non mais en fait je discute pas avec vous tous, je vous explique. Je discute avec lui seulement. Non, je veux pas lui acheter des trucs. Tiens, offre-lui un CD. En fait, offre-lui de la musique. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh, c'est quand même bien de lui offrir une petite mixtape pour ce jour. Compliment de son apparence. Non mais, est-ce qu'on peut vous dire au revoir en fait? Non, parce que je m'en fiche de vous. De choix.
Ça m'énerve ça par contre. Laissez-les en paix quoi. De choix, Michael. Au revoir. Non mais vous incrustez pas tous dans la conversation. Non, il reste lui, mais lui il a l'air de s'accrocher. Plus de choix, Michael. Au revoir. Non, parce que bon, ils ont pas trop appris la politesse. J'ai tué des confitiers pour le. Mais non, mais sérieusement? Mais casse-toi, toi! Voilà, ils ont pas du tout l'impression d'être la troisième roue du carrosse. Drague-le, s'il te plaît. Je sais pas si ça va marcher, mais. Ah merci, il veut pas. Ça se passe pas très très bien quand même. On est quand même, bon, on a quand même un rencard en or, mais on va peut-être finir par, on va peut-être finir par le jeter, hein, parce que le mec il nous envoie un peu des messages un peu mixtes quand même. Parce que bon, il est bien gentil, mais. Il accepte les compliments, mais il accepte pas le reste. Plus de choix, on va refaire un compliment. Parce que bon, s'il veut vraiment pas, il veut vraiment pas quoi. Est-ce que tu peux acheter un cadeau ou pas? Ah, si tu peux acheter un cadeau. Est-ce que tu peux... Je peux une marguerite, peut-être pas. Une pomme de terre, bonjour. Je ne sais pas qui remplit ce menu, mais offrir une pomme de terre à quelqu'un... C'est pas très... Tu peux le draguer? Ah, ça y est, il est réceptif. C'est déjà ça. Compliment de son apparence. On va le draguer. Ah, ça lui est pas plu la rose. Super. Merci monsieur. Est-ce qu'on peut se tenir sous la main? Est-ce qu'on peut s'embraser sous le gui? Bon, finalement, pour l'instant, il a l'air d'être plutôt réceptif à tout ça, donc pour l'instant, ça a l'air de se passer plutôt bien. On va murmurer suavement. On va l'enlacer. Et tu veux faire un massage à ton rencard? On va lui offrir une rose. On va prendre une pose sexy. Non, c'est pas Annika que je voulais. Je sais pas s'il y a son rencard. S'il y a un rencard ou pas. Non, un rencard, pardon. Un massage. Faire un massage. Non. Bon, ils vont peut-être devoir s'asseoir du coup. Il a l'air un peu. De regarder autour de lui. Genre c'est ma faute, c'est moi qui lui fais faire ça. Enfin oui, en soi c'est moi, mais il a pas l'air très content. Il n'a pas l'air ravi. C'est pas moi qu'il faut que tu regardes, hein. C'est... Bon, il prend ça, c'est magnifique. Pourquoi t'es triste? Ah, cadeau non apprécié, même forcément. Je la comprends, donc, du coup. Éventuellement, on va s'asseoir ensemble. On va voir si tu peux lui faire un massage. Plus de choix, amour. Demander d'aider son petit ami. Plonger dans le regard. Non, on ne peut pas faire un massage. On va tenter. On va tenter un rapprochement. De toute façon, ils sont déjà en or, mais...
Shuna. Miss Stevie Flina. Zabo. Show. Oh. Veruda Campbell. Ils auront pas dansé, ils auront rien fait. Plongé dans le regard. Chuchoter des mots doux. Éventuellement, on peut peut-être avouer son attirance. Hein, depuis... Quel regard de légende. Quelque chose de spécial vous attend. Et en plus, elle a fini le jour de l'amour. Bonjour, Candy, c'est votre agence. Juste pour vous rappeler qu'il y a toutes sortes de contrats disponibles si vous souhaitez gagner un peu d'argent. Aucune pression, bien sûr. Bah, tu permets ? Tout le monde peut boire à prix réduit, magnifique. Sauf qu'ils ont déjà fini. Oula. Par contre, ils ont un peu la tête qui se croise. Du coup, lui s'en va et elle s'installe. Du coup, elle va rentrer. Enfin, ils vont rentrer ensemble au moins. Au moins, elle va rentrer, elle va lui demander de partir ensuite. Avec l'animation que je déteste, puisqu'elle est vraiment pourrie de chez pourrie pour ça. Vu qu'on peut pas leur demander gentiment de rentrer chez eux. Hop. Au moins, il la raccompagne chez elle. Même si c'est elle qui l'a invitée. Alors, donc, ils viennent de rentrer, et elle va lui faire un premier baiser. Et on va lui demander de rentrer chez lui. Éventuellement, elle va lui caresser la joue. Et elle va... demander de partir. Peut-être va demander de vivre ensemble. Je peux pas lui demander de partir. Michael. Demander de partir. Non, c'est pas possible. Bon, bah tant pis, on va faire comme s'il était parti. Il est 16h35, c'est vrai, ils ont encore un peu de temps. Elle va manger des macaronis, vu qu'ils ont pas mangé ensemble. Hop. Toi, qu'est-ce que... Est-ce que... Attends, toi, c'est vendredi, donc ça va. Donc, tu peux jouer un petit peu à des jeux vidéo. Et toi, tu vas manger. Je sais pas si... Alors, il est toujours pas parti, mais bon, tant pis. Est-ce que maintenant on peut lui demander de partir ou alors... Est-ce que Yuki peut lui demander de partir? Elle va se présentationner amicalement, bien sûr. Vas-y, va te présenter amicalement. Voilà, donc ils se connaissent. Et tu vas pouvoir... peut-être lui demander de partir. Demander les centres d'intérêt, comment s'est passée la journée. Je peux pas lui demander de partir. Ok, bon bah tant pis. On va faire comme s'il était pas là. Hop. Donc toi t'as fini de manger. Tu vas aller prendre une douche. Tu veux qu'on se revoie ce soir. Non. Pas pour l'instant. Mais potentiellement ça peut être un développement pour... pour elle plus tard, parce que bon, je pense que là on a fait ce qu'on avait à faire et on va contacter le service de réparation. On a fait plus ou moins ce qu'on avait à faire. Je pense qu'on passerait, on va passer à une famille différente la prochaine fois. Mais c'est quoi tous ces gens qui s'intéressent à elle? Il arrivera vendredi à 18h53. Donc pendant ce temps, on va juste lui choisir un nouveau contrat. Elle a que ça en fait. Ok, bah si t'as que ça. Discuter avec le client. Un ordinateur. Ok. Donc elle va poser. Ouf, attendez. Ça ici. Ça là. Elle va dépendant. Discuter avec le client. Bonjour madame la réparatrice. Donc pouf, elle discutait avec le client et nous je pense qu'on va s'arrêter là pour avec la famille père pour l'instant. C'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose avec Yuki, mais bon c'est encore une ado et il y avait plus de choses intéressantes à faire avec Candy on va dire. Du coup la semaine prochaine on se retrouve avec une nouvelle famille, je sais pas qui encore.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit j'aime sur la vidéo. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Salut!